Et donc, salut à toutes et à tous, on se retrouve sur un temps de chargement pour la suite de Makai Kingdom. Ouais, c'est ce que vous attendiez tous, évidemment, avec bien évidemment la fameuse manette qui grince, comme d'habitude. J'espère aujourd'hui vous n'entendrez pas, vu que la manette est un peu écartée de moi. Donc là, si vous l'entendez, il y a vraiment un problème. Parce que vraiment, je vous le dis, la manette est loin de moi. Il y a un bureau qui me sépare de la manette. Non, j'ai pas des grands bras, j'ai juste la manette sous le bureau. Parce que oui, actuellement, j'ai mes mains sous mon bureau, et non, ce n'est pas pour faire des choses non catholiques. Bref, normalement vous ne devriez pas entendre le grincement du stick de ma manette. Que je précise le stick de ma manette quand même, sinon vous allez encore ramener ça sur d'abominables propos qui ne mériteraient même pas d'avoir lieu, ma foi. Alors du coup, normalement je suis totalement prêt, totalement magistralement prêt pour cette prochaine map. Donc on va directement y aller, histoire de pas perdre de temps. Logiquement aujourd'hui ce sera une vidéo où il n'y aura pas beaucoup de dialogues, mais on commencera quand même avec des dialogues, vu qu'il y a une démo en début, donc on est parti. On va sûrement un peu voir le début de ce chapitre, hein, mine de rien. Oh. Ah. Ah voilà, à chaque fois qu'il y a cette musique, c'est qui, Alex. Qu'est-ce que tu fais ici, Alex? Qu'est-ce que tu penses faire, toi, stupide jerk? Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être une insulte, je suppose. J'ai pas dit que tu pouvais être maudit. How could you let the one curse you? How dare you? Comment as-tu pu laisser le One te maudire? Ah, comment as-tu pu... Oh putain, il se m'a chialé. Je suis supposé te tuer. En fait, Alex, je crois qu'il est... En gros, il est triste parce qu'il est censé nous tuer. Il veut pas que le One nous tue avant. Qu'il est con. Est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il est con, Alex? Et toi? Bien sûr que non. Je suis un putain... Oh putain, mais chiel, ça. Je suis un monstrueux overlord. Putain, mais c'est énorme. Nous allons nous battre ici, maintenant. Je vais te tuer avant que cette stupide malédiction le fasse. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con. C'est ça, Lord Zeta, notre combat final, blablabla. J'hallucine, mais quel cassos celui-là! J'aime bien comment il a confiance en nous. Il pense vraiment en gros qu'on va crever à cause de sa malédiction, quoi. Il croit vraiment qu'on a un petit PD là. Va falloir lui montrer c'est qui le boss, moi je vous dis. Alors, du coup, bon, bah, on est sur une map qui a 1000 points de base, donc c'est sûrement l'entièreté de la map qu'on voit. On vérifie évidemment au cas où, parce que ce serait dommage quand même de perdre. Ouais, non, apparemment y'a rien. Donc ouais, là la map c'est vraiment juste les ennemis à combattre. Donc je suppose que tout ce chapitre ça va être Alexander à affronter. Putain, ça va. Voilà quoi, ça va être bizarre. C'est vraiment ça les chapitres pour rembourrer le jeu, hein. Oh là, on fait affronter Alexander pour le fun, mais bon, je trouve pas ça super utile des masses, hein. C'est vraiment... On rajoute de la durée de vie au jeu. Parce que vous savez quoi, je sais pas pourquoi, mais je sens bien que derrière Alexander, il y aura d'autres personnages qui vont vouloir nous affronter. Et que ça va être ça sur un ou deux autres chapitres, histoire de vraiment rembourrer le jeu. En tout cas, si c'est vraiment ce qui arrive, ça c'est clair que c'est vraiment du rembourrage facile, hein. Là, j'accrocherai pas trop à cette idée. Mais bon, en attendant, on va quand même se dépêcher de finir les ennemis qu'il y a. Histoire de gagner de l'XP, tout ça, tout ça. Nikilo, on va l'envoyer en premier lieu, histoire de finir ses levels. En espérant qu'il a... On va vérifier qu'il a... Qu'il... Merde, non, 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 attaque. Voilà, qu'il apprenne bientôt une technique, parce que quand même, ça fait vraiment longtemps, là. Statue. Allez, j'y étais, mince. Je passe la fenêtre à chaque fois, alors. Katana, level 6. Putain, c'est au level 7. C'est super long, les katanas. Vraiment, ça me paraît bizarre. La musique est sympa en fond, mais je sais qu'on l'a déjà entendu, j'en suis sûr. Alors, toi... Rien de près de spécial. Toi, moins 30% feu, tu vas en chier, mon coco. Attendez, c'était plutôt glace. Ouais, voilà, moins 30% glace. Si je la merde, le feu il est résistant, au contraire. Du coup, on va faire méga ice. Ok, allez, normalement, on se devrait en finir avec lui, j'espère. Ouais, tranquille. Même si, à mon avis, c'est quand même pas passé loin. On va voir, ils ont combien de PV? 170? Ah non, en fait, ouais, j'avais un marge d'avance, quoi. Oh non, c'est des grosses merdes. Oh, ils sont faciles. Oh, ça va, c'est tranquille, cette map-là, je vais aller pépère, hein. Les doigts dans le nez.
pour ne pas dire autre part. Allez hop. Voilà, j'ai des petits coups de lag, ça c'est pas cool. Ça commence pas à laguer maintenant, parce que ça va pas me plaire tout ça. Attendez, il y a forcément une raison au lag. Là par contre, je vois pas ce qui peut faire laguer. Dis-moi, pourquoi tu lagues aujourd'hui, ordinateur? Attendez, on va attendre que ça passe un petit coup, je suis désolé, hein, évidemment. Allez, allez, on se réveille, hop 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 hop. Hop hop hop. Je vais essayer, vous savez quoi, je vais essayer. Ah bah c'est bon, j'ai récupéré mon ma vitesse normale de jeu. Alors du coup on va prendre Glissy. Attaque, grenade. Splendid. C'est le petit roulement de langue. Splendid. Un peu dégueulasse mais j'aime bien, c'est splendid. Attendez, alors là on n'aura pas, hein. Y a moyen de toucher les deux, c'est clair. Ah, attendez. Bon, alors là, on va y aller avec Colibri. Parce que Colibri, putain, quand même, faut le dire, il va roxer du fion, là. Hein. Là, il va roxer du fion à mort, surtout maintenant qu'il est revenu à son tir de base. Enfin, au quatrième tir, plutôt. Voilà, ça va remonter petit à petit, mais t'inquiète pas, Colibri, ça remontera. Enfin, j'essaierai de te faire remonter. Parce que Colibri est balèze, mais ça, le problème, c'est que... les guerriers, les classes de base, c'est le genre de classe où il faut vraiment bien s'en occuper, sinon ça devient chaud d'en faire quelque chose de bien. Bon, on voit qu'on peut pas toucher l'ennemi, ok. Ouais. Pas grave, de toute façon cette map sera bientôt terminée. Ça va, une map vite fait, bien fait. L'invasion de chat, les mecs, là. Catland. Alors, qu'est-ce que des chats foutent dans des phares, quoi? C'est pas logique. Enfin bon, vous allez me dire, hein, où je vais chercher de la logique dans ce jeu, quoi. C'est qui m'a tué, là, au fait? J'ai pas trop fait gaffe, tant que vous avouez, mais bon. C'est pas grave, c'est pas forcément de grande perte, tu vois. Parce que bon, du moins, moi, qu'il me reste des persos en vie, voilà. Souvent, en plus, là, je vois le petit tas de chats ensemble, là, dans le coin. Je sens d'ailleurs s'en occuper. Mais là, je sens aussi un lag. Y'a rien que ce lag passe. Attends, ils m'ont tué. Non, c'est bon, Dazer est encore ok. Je crois que là, j'aurais perdu Dazer, j'aurais perdu la map. Parce qu'il me reste après des persos, certes, mais ils auraient pas été assez balèzes pour buter tous les chats. Alors que Dazer, lui, un Darkness Fall et on en parle plus, quoi. Ouais, ça me semble bien, les mecs. Ça me semble même très bien. Bah, écoutez, on en finit. Hein. Allez hop. 4 petits chats qui vont y passer, c'est triste. Voilà, à chaque fois que vous rigolez sur une des vidéos de Dazer, un chat en meurt. Vous vous rendez compte? Horrible. C'est horrible, c'est abominable. Mais d'ailleurs, j'ai fini la map là. Du coup, il est temps de manger. Dinner time! Pretty Sprite! Même si en fait, je pense pas que c'est ça qui finira l'ennemi. Ouais, voilà. Non, je vais finir un peu quelques ennemis là, vous voyez, il me semble tuable. Ça va être lol. Le gros, ça dit quand même, j'ai envie de tuer des chats, lol. Le gros enculé, quoi. Les petits chatons, on va les tuer, on va voir, ils seront contents. Hein. En fait, Alexander, c'est un peu un enfoiré, parce que genre, le mec, il dit, ah, je vais te tuer, mais au final, c'est ses alliés qui font tout, quoi. Lui, il branle pas une. Hein. Il n'en branle pas une, pardon. Je m'excuse bien par les Français. C'est quoi? Pour le dernier, on va... Ah merde, y'a plus de place. Bah, tu sais quoi, on finit alors. Putain, ils osent s'entretuer entre eux, confrères chats. Faut dire que j'ai déjà commencé à les attaquer avant, mais bon. C'est pas ma faute, quoi. C'était pour ma survie. Alors là, le moins level, je suppose que c'est Roro, le chef des mercenaires, donc on va finir ça. En bonne et due forme, et voilà. Bonne chose de faite, cowboy. Et on termine la map, voilà, voilà. Comme quoi, vite fait, bien fait. No loading.
Alors, bon bah déjà on voit qu'il n'y a pas de démo, donc ouais j'ai bien peur. Eh sérieux, ils ont pas intérêt à nous faire le coup de nous faire tout le chapitre avec Alex quoi, ça me ferait chier. Sincèrement ça je vous le dis, ça me saoulerait. Hein. J'ai pas envie de me taper contre Alex tout le chapitre, ça va être relou. Parce qu'on me dit voilà quoi, c'est une perte de temps. Ça c'est de la perte de temps dans l'histoire. Et on va faire combattre Alex, comme ça tiens hop c'est un chapitre entier. Tout ça parce que Alex il veut pas que Zeta meure à cause de la malédiction. C'est Nawak. Pas déconner quoi, merde. Niki Locon, hop, voilà. Par contre, qui aurait cru au final que Niki Lo deviendra un de mes meilleurs combattants? Ah, sans oublier le fameux Roro, hein, le chef des mercenaires. J'espère que j'ai fini d'inviter tout le monde là. Normalement, voilà, c'est bon. On peut y retourner, c'est quoi avant? J'ai envie de faire une petite sauvegarde. Sauvegarde, tu sais, je parle bien français, moi, c'est cool. Hop. On va la faire ici. Et c'est parfait, voilà. Allez, on se dépêche, qu'on perde pas de temps sur cette map. Hop. Plus vite on fera des maps, plus vite on avancera dans l'histoire, hein, j'ai envie de dire. Hop. Ok, encore une histoire, décidément, aujourd'hui, on est gâtés. Alors qu'est-ce qui... Parce que je suppose qu'Alex va encore... Ah non. Ah ok, les Overlords vont parler entre eux. Ah, nous avons eu de la chance. Mais j'étais inquiète pendant un moment. Ah là là. Je me sens mal pour Zeta. C'est des... Merde, suck. Putain, je vois le sens du mot, mais je vois pas trop comment le dire. C'est un peu dégueu qu'il soit maudit comme ça. Bon, Trenia et Pram. Deux personnages qui ne s'en donnent pas. Es-tu joyeuse? Personne n'a réalisé ce que tu as fait. De quoi est-ce que tu parles? Je te parle du One. S'il apprend ce que tu as fait, je suis sûr qu'il te maudira. Qu'est-ce que... Oh la salope! Tu as commencé ce message quand tu as écrit dans le sacré tome, n'est-ce pas? Putain, attends, c'est elle qui avait écrit dans le sacré tome. Ah, mais qui es-tu, putain? Ouais, non, putain, c'est ça, c'est à cause de Pram, je le savais. Putain, mais à partir du moment où ça l'a arrangé que Alex soit accusé pour le coup du sacré tome, j'avais un doute parce qu'elle avait l'air justement de s'intéresser. Elle se dit, ouais, c'est bon, si. Voilà, je savais bien qu'elle était louche. Au final, c'est de la faute à Pram si on en est là. Traîner n'a pas juste une enfant. Je suis un peu inquiète actuellement. Donc c'est une vraie oracle. La putain, la salope. C'est de la faute à Pram si on en est là. Oh. Ah ouais. Ah oui, Alex, il va de bon cœur là. Hein. Ouh. Damn, Alex. Merde, Alex. Tu es vraiment derrière tout ça, hein. Eh bien, je suppose que je ne peux pas perdre dans le combat à cause d'une simple malédiction. Bien sûr, ça ne va pas être joyeux. Mais Lord Zeta ne sera jamais battu en combat. Ah, blablabla. Car par les règles de cette place, mon Netherworld me sera restauré, blablabla, et mon corps reviendra. Et battre cette malédiction ne sera pas de problème. Prépare-toi, mec. Prépare-toi à entrer dans la légende. Ouh. Ah, Zeta, là, au moins, il est chaud. Alors là, c'est bon, Zeta, il est motivé. Ça, c'est cool. Ouais, mais si je traduis ça à la rage, vous l'aurez remarqué, mais... Voilà, là, je suis pas trop chaud pour traduire. Hein. Sincèrement, j'ai envie d'avancer. Alors, bon, c'est pas bon, parce que j'ai pas remis tout le monde dans les... dans la hutte. C'est quoi, la hutte? Je vais la placer... ici. Voilà. Parce que là,
Je vois les ennemis bien assemblés à gauche. Je suis désolé, mais le petit tas comme ça, je peux pas le laisser en paix. Hein. Je veux dire, ils attendent que ça que je vienne m'occuper de leur fessier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ouais, bah on y va. Exécute. Et normalement, ils devraient tous y passer. Je dis bien normalement. J'ai pas regardé leur PV là, j'y vais à l'arrache. Mais bon, ça devrait passer. Hein, parce que t'as se répété, quoi. Level 41. Alors toi, tu vas y passer aussi parce que j'en ai décidé ainsi. Hop. Go down. C'est un vrai mercenaire lui. Hein. Tu peux pas tester. Oh. Exécutons. Normalement on devrait le tuer. Enfin son véhicule tout du moins. Yeah. 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 Du coup, une bonne chose de faite. Alors ensuite on va inviter Mocha. Alors attends, on va regarder ce qu'il craigne. Il a 20% glace, 30% glace. C'est quoi, j'avais envie d'envoyer une magie de zone de glace. Pourrait être sympathique le résultat. À moins qu'il reste plus à gauche. Hein. Je pense pas, ouais. Normalement, j'aime bien cette musique. Enfin, ça, c'est vraiment c'est une zone pour les mecs qui ont des attaques de zone, justement. C'est une map pour les mecs qui ont des attaques de zone. Voilà, je reformule bien ma phrase. Du coup là on va inviter bah, Nicky le con, on peut pas vivre sans lui. Sa façon de parler. Là le problème c'est que la map elle est plutôt grande, donc le problème c'est que je vais me retrouver avec plein d'ennemis autour de moi, ça va être un peu tendu. On verra bien. Allez. Putain mais tu te fous de ma gueule. Voilà. Ça parce que mon perso était mal placé, j'arrivais pas à faire l'attaque alors que je l'avais faite, n'importe quoi. Un ennemi en moins, c'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Hop. Alors attendez, pour colibrer il faut un ennemi qui a pas beaucoup de PV là. Sinon ça le fera pas. Putain, est sérieux. Ma manette qui grince, si vous saviez comme. En fait, la sensation que je ressens quand la manette grince, c'est un peu comme si. Rien que d'imaginer, j'en ai la chair de poule. C'est un peu comme si, vous voyez, vous preniez une craie et que vous la faisiez grincer contre un table. Là, c'est ce que je ressens quand j'entends mon manette grincer. Donc, c'est pour vous faire comprendre à quel point c'est abominable ce grincement. Donc, vous avez de la chance, hein, parce que vous l'entendez. Le peu que vous l'entendez, je veux dire, ça va, c'est pas horrible. Mais moi, vraiment, c'est... Oh là là. J'en ai vraiment la chair de poule, quoi. Bref, du coup, on va envoyer Glissi. Même si je pense que Glissi ne fera quoi qu'on sait jamais, on verra. Attaque. On va faire plutôt un Shadow Blast. Voilà. Splendid. Le petit coup de langue maintenant il est obligatoire, hein, je suis désolé mais. Bien Glissi, mais pourquoi tu ne level up pas? Putain tu frôles ton level quoi. Ah je sais, je vais inviter le Dark Gear XX, yeah. Miam. Alors, hop. Dinner time. Non. Fung. Je me demande si ça veut dire quelque chose, Fung, pour que j'aime juste ça. Bref. Hop. Normalement, on a les deux. Je dis bien normalement. D'ailleurs, ça me pensait que j'ai oublié d'aller rendre des vieux véhicules. C'est chiant ça que le véhicule, bah justement, soit un truc différent du soigneur. Heureusement, ça va, mon véhicule là a beaucoup d'avance, donc je suis tranquille à ce niveau-là quand même, mais bon. 8 sur 8, bon, on peut finir la map. En espérant que j'ai pas trop de pertes. Je vois un coup hein, moi pendant le tour des ennemis. Hein. Un bon verre glacé de Coca-Cola chérie, ça c'est bon, sa race. Putain, il a été vachement résistant Ah, c'est vrai qu'il a une putain de défense. Vous voyez, les ennemis, ils ont je sais pas combien de level en plus que lui. Et malgré tout, il résiste bien, quoi. C'est pour prouver qu'il a une putain de défense de bâtard, hein, colibré. Et là, ça se ressent. Alors du coup, si je puis me permettre, je vais faire un bon gros Darkness Fall et on va en finir du gros tas restant d'ennemis. Si possible, j'aurais bien évité de taper ma maison quand même. Voilà. Ça me semble cool. Ready? Au revoir, ennemi, vous avez bien combattu. Ah merde, j'ai touché ma maison. Ah, toi, je vais te tuer. C'est bon. Toi, tu vas mourir. Sourire, tu vas mourir. Ah, le gars sympa quoi. Il fera pas du 700 mais il va déjà. Il aidera la personne qui attaquera derrière lui à le tuer quoi.
Moi je dis du 600. Allez, je tape dans le 600. Ah, 400. Bon. J'ai l'impression que Nikedo, lui, il est pas... C'est bizarre, mais le fait que je l'ai ramené, ça le rende pas aussi puissant que Dazer. Bon, faut dire Dazer là, au moins 10 levels d'avance environ, si on fait un petit calcul de différence, mais bref. À peu près, hein, évidemment. Toi, tu n'aimes pas le feu. Dans ce cas, tu vas te prendre un Giga Fire. Fire! Ouais, allez hop. Helm Spirit! Yeah! Ça lui vaut un level up, donc c'était bien la peine, quoi. Alors, toi, tu vas te faire manger par un véhicule, ça va être lol. Food! Enfin, manger. Je dis ça parce qu'il y a écrit Dinner Time, mais en soi, voilà, quoi, ça mange pas du tout l'attaque. Hein. Du coup, alors, toi, normalement, tu vas nous finir le véhicule. Sake! Attends, il lui reste 25 PV. C'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool. Du coup, il faut que je le finisse avec Gullix. À l'ancienne, mais je le finirai quand même. Hop. Voilà, il fera toujours moins mal sans son véhicule qu'avec. Donc, je préfère quand même faire en sorte qu'il ait pas de véhicule. Hein. Le marrant, le premier. Hop, on termine le tour. Et au prochain tour, bah, c'est la fin. Tout simplement. Oh là, regardez-moi ce cassos, quoi. Ah, ah, je sautis sur place. Le poulet. Voilà, bon. Du coup, il a fait carrément son sautillage tout le long de son déplacement, c'est vrai. Oh merde, j'aurais dû les séparer, ces deux-là. Bon, au moins, faut voir le bon côté des choses, il y a que lui qui a attaqué. Hop, du coup, bah... Tu vas en finir, hein, mon Goku. Yeah. En tout cas, je sais pas vous, mais moi vraiment, je trouve que Nikilo, j'ai vraiment choisi le perso qu'il fallait. Parce que je sais pas, mais quand le chat fait miaou, je sais pas, il fait un peu miaou, mais d'un air un peu genre tu vois, je suis le meilleur. Ça a l'air de trop coller à Nikilo, quoi. Trop pas mal, Nikilo, voilà. Je sais pas, moi je ressens ça quand je prends le chat. Du coup, bah là, bah. C'est triste à dire, mais la map est bientôt finie, quoi. Faire une petite attaque banale, voilà, 600, c'est fini. C'est facile. Moi je m'oublie à la facilité, faut dire c'est moi qui l'ai cherché, hein, vu comment j'ai PGMisé mes personnages, en particulier Dazer. Faut dire, c'était pas spécialement voulu, mais bon, forcément, vu que c'est mon perso principal, j'ai l'habitude de plus l'optimiser par rapport aux autres, mais bon, en soi, c'était pas non plus ultra voulu, quoi. Puis en plus Dazer, j'ai quand même fait le luxe de carrément lui merde lui faire changer de classe alors qu'au début il était guerrier. C'est pas un truc que j'ai fait pour beaucoup de persos, ça. Bon, quoi que si, je l'ai fait quand même pour Colibri, pour Mitsuna, même si Mitsuna au final après elle est redevenue normale, enfin redevenue magicienne. Je l'ai fait pour Mocha, mais ça c'était hors vidéo, pour qu'elle apprenne des attaques magiques d'autres types de glace et tout. Enfin, ouais, donc elle apprenne des attaques magiques glace, justement. Et je crois que c'est tout. Bah bref, dans tous les cas, on va avancer tel quel. Là, ça passe, donc bon. C'est quand même dommage, au final, j'aurais jamais réussi à avoir des classes comme le Cooking Chef, là, mais bon. En même temps, je vous dirais que ça m'aurait fait chier de booster. C'est pas que ça m'aurait fait chier de booster Cucuc, mais ça m'aurait fait chier de booster le voleur plutôt, voilà. Parce que bon, le voleur il est bon pour voler, mais après derrière pour combattre, c'est un peu de la boost, quoi. Sans être méchant. Et donc, lequel, lui, je dirais qu'il est arrivé trop tard. Il aurait été là plus tôt, il m'aurait été utile, mais je l'ai peut-être créé trop tard, ça le problème. Enfin bref, dans tous les cas, là, en tout cas, vous vous doutez que l'équipe finale est bel et bien là. Hein. On va continuer tout le jeu comme ça. Sans ileuse, vous vous rendez compte? On va continuer le jeu sans ileuse. Généralement, c'est rare que je fasse un jeu Nipponichi sans ileuse. Mais vraiment, dans ce jeu-là, j'en trouve pas l'utilité, quoi, par rapport à dans d'autres jeux. Voilà. Coup de lag. Là, on a 24 minutes pour tout vous dire. Putain, elle est bizarre, la forme. Alors, du coup, on va inviter des gens. Tant qu'à faire.
Putain, les gens sont... Oh, toi, tu me donnes 400. Je vais essayer de te buter le plus vite possible. Vous savez quoi? Je vais le faire avec Mocha. Ah, putain, la map. Regardez, il y a écrit Sin. Péché. Voilà, un péché, quoi. Bon, je me répète pas sur la blague. Oh, péché dans le sens un péché, pas la pêche, hein. Parce que je l'ai déjà fait. Bon, vous comprenez le principe, hein. Imaginez que je la refais, quoi. Bon, tu sais, si tu dis, je fais la blague, mais je ne la dis pas pour ne pas me répéter, quoi. Ah, elle est trop sympa, cette image. Du coup, on y vient des arbres et des plantes. C'est cool. Le mec qu'on a rien à foutre. C'est cool. C'est cool. Du coup, là, on va y aller avec Nikilo. Hop. Die. Enfin, après que je reprenne le temps de mettre mes personnages dans leur base, ce serait cool. Hop, Nikilo, on bute un premier avec, parce que Nikilo, c'est quand même un peu un buteur de premier. La Ghiblix, il a peur. Enfin, il doit avoir peur, je suppose. Il est déjà level 38? Non, 32, ok, ça monte quand même vite, c'est cool. Alors, 500, imaginons que je sois à 600, il me manque à peu près 110 points. Enfin, 104 points même, si on veut dire exactement. On va envoyer le chef des mercenaires. Enfin, alors qu'au début du jeu, c'est Gamma qui disait qu'on n'aurait sûrement pas beaucoup d'utilité par la suite de Roro. Bah, au final, si Roro, il se défend bien, quoi. On va commencer par celui qui a 50 points. Ouais, ouais, en fait, on va pas le faire, hein. On va plutôt stacker à l'arbre. Pour gagner 5 misérables points. Mais c'est quoi, je finis le tour, hein. Comme ça, c'est fait. Ah, ça, ce sera une map, elle va vraiment se faire rusher, quoi. Bon, faut dire, en ce moment, j'ai l'habitude de rusher les maps, donc voilà, quoi. Je crois qu'heureusement que les musiques sont ultra bonnes, parce que sinon, là, j'aurais vraiment du mal à continuer le jeu, quand même. Voilà, comme quoi les musiques peuvent aider à continuer le jeu. Parce que là, oui, sincèrement, voilà, le scénario, le jeu, qu'est-ce que c'est à dire, mais il devient un peu lourd. Le scénario, ouais, j'ai envie de savoir la suite, mais sans plus, quoi. Si je la serais pas, par exemple, ce serait pas la mort. J'en survivrais, j'ai envie de dire. Ah merde, le connard. On va dire que là, j'ai juste l'impression d'avancer, sans qu'il y ait d'avancement dans l'histoire. Même là, vous voyez, on commence à avoir des révélations, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas d'avancement, quoi. C'est longuet. Voilà. Si je dois décrire ce jeu, j'ai envie de le décrire de façon longuet. Il est longuet. C'est vraiment un jeu qui joue pour le gameplay, quoi. Come, spirit. Eat this. Eat this. Allez, je pense que là, j'aurai assez de points. Ah, il manque quand même des points. Il n'y avait pas assez de points sur l'arbre. Putain, c'est bizarre ça. Bref, du coup, on va envoyer Glissi. Et si Glissi n'y arrive pas comme ça, ça fera gagner un peu d'XP à Gamma. Bah, je pense que Glissi va y arriver. C'est quoi, on va directement envoyer Gamma en fait. Ah, quoi que non, Colibri. Non, mais Gamma, je l'ai jamais réincarné. Enfin, je l'ai pas encore incarné à son quatrième tir. Faudrait bien que je l'avance un peu quand même. Bon bah si Gamma arrive à le battre, ce sera cool. Sinon bah ce sera pour Colibri. Oh putain, dommage. Non mais c'est sérieux, quoi. Un PV près, c'est du troll, ça. Ça c'est du troll, je suis pas d'accord, quoi. C'est nul, quoi, c'est pas drôle. Non, je suis pas d'accord du tout. Bref, attaque. On va faire une petite attaque quand même. On va pas faire le bourrin alors qu'il y a juste un petit coup à donner, on va pas non plus graver ses souffrances. Display bonus. Y'a rien d'incroyable à gagner, non. Sachant que je vais avoir pas mal de points. Ouais, bon bah on termine. Y'a, voilà, j'aurais eu ce que je voulais, on va dire. Stage clear, yeah, c'est la fête. Alors, du coup, on va se dépêcher de soigner nos personnages et de repartir sur notre map, la map suivante. Ah là, c'est vraiment du rush, hein, je vous le dis. Je suis désolé qu'on en arrive à ça, mais bon, que voulez-vous que je vous dise. Là, le jeu, forcément, faut le rusher si on veut avoir un minimum d'histoire. Et vu que dans un walkthrough, c'est la seule chose un peu qui... Enfin, j'exagère, mais bon, voilà, c'est ce qui importe en quelque sorte le plus. Voilà, quoi, faut un peu que je me bouge le fessier pour qu'on ait un tantinet de dialogue.
Kido, Oro, Colibri, Emoka, Kama, lui je le mène rien, comme ça on peut l'invoquer direct. On va sauvegarder. On en est à 30 minutes, moi je dis qu'on a encore le temps de faire une map ou deux même, peut-être deux. C'est vrai qu'on va, on va se le faire en mode rusher là. On va essayer de rusher à mort. Hop, Dragonland. Yep, c'est parti. Moi je vous dis, il y a le temps de faire deux maps là. Deux maps. Peut-être même trois. C'est le mec qui va absolument rusher quoi. Trois maps, c'est bien trois maps. Alors, parlons de map, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, toi tu me reprends. Hein? Level 58, ouais, bah c'est pas impressionnant. Ah, on peut attendre qu'il détruise. Mais ça m'ouvrira quoi exactement? Un chemin à gauche? Ouais, je gagne un truc pour véhicule, mais c'est tout. C'est pourri. C'est quoi cette map de... Attendez, mais c'est quoi l'utilité de cette map? Je comprends pas, là, c'est de la merde. Bon, attendez, il y a peut-être un truc à gagner important, je sais pas. Il y a un véhicule à gagner, mais ce véhicule-là, j'ai de la chance, je l'ai déjà, donc pour le coup, je m'en fiche. C'est vrai qu'on va finir ça vite fait, bien fait, du coup. Ah oui, il a quand même... J'avais pas vu ses PV, en fait, oubliez ce que j'ai dit. Il est peut-être que level 58, mais il a beaucoup de PV, quand même. Voici d'en finir Fissa Fissa. Vu que c'est quand même juste une petite map sans vraiment grand-chose pour m'effrayer, quoi. Tu crains... Forcément, il craint le vent. Ah non, la glace aussi, ok. Du coup, un petit giga glace, tu vas le sentir passer. Enfin, un méga glace, pardon. Vous savez quoi, en plus, je vais faire ce que vous aimez que je fasse. Enfin, ce que vous voulez que je fasse plutôt. Je vais faire attaquer tout le monde. Un à un. Pour qu'on ait une attaque plus puissante au final. Grâce au cumul. Nikilo. Miu! Il est trop choupi, Nikilocon. Oh, c'est droga, ouais, le petit Jadon. Mais j'en ai rien à foutre. Hop. Alors, Colibri. Tu viens là, mon coco. Libri. Ok, attendez, Colibri, en fait, je vais le faire attaquer en dernier. Parce que le problème de Colibri, là, c'est que... Son attaque que je veux faire repousse l'ennemi, donc bon. Ok, et Dazer n'a pas d'attaque de vent. Pourtant, je pensais qu'il en avait une. Mais apparemment, c'est pas considéré comme une attaque de vent. Bref. Hop, du coup, avec Colibri, j'avais dit attaque. Voilà, 6. Ah, à la limite, on peut aussi... Ah, il va en prendre plein la gueule, là, le mec. Hein. Ah, ok, le véhicule. Et là, on finit avec un petit dinner time. D'ailleurs, ça me fait penser au passage qu'il faut toujours que je pense à rendre vie au véhicule. Et on exécute. Alors là, c'est bon, je crois qu'il va crever. S'il crève pas, je vois pas ce qu'il lui faut. Il est bien de boire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, non, mais il est mort, là, à la fin de la Corée. Même tout le monde n'aura pas attaqué, là. Il va crever avant. Ouais, bah voilà, il est mort. Bon, bah, j'ai fini, moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Yes, sage clear. Je gagne pas beaucoup de points, mais bon. Moi, je gagne, c'est le principal. Bon, bah, du coup, comme dit, on va faire deux maps. Ah, ça, c'était voulu, tu sais, c'est genre, j'ai fait, je veux faire deux maps. Les développeurs, ils ont fait un time paradoxe pour réussir à faire en sorte que j'ai que deux maps à faire. Et c'est bizarre qu'elle level up pas, elle. Pourtant, regardez, ça fait un moment qu'elle est tout le temps level 12. Ce que je pense, à mon avis, c'est que quand on lui file des level up via la médecine, ça considère pas comme un level. Après, faut quand même tuer un ennemi pour finir le level. Donc là, ce qui doit se passer, c'est qu'elle est à la fin de son level up, mais faut vraiment qu'elle tue un ennemi pour le finir. C'est un peu dégueulasse, ça, par contre. Bref. On va sauvegarder. On va faire, comme dit, une dernière map, vu qu'on a fait cette map en 4 minutes. Quand même 4 minutes pour tuer un ennemi, hein, j'ai pris mon temps. Hop. Ah ouais, on est parti. Bon, déjà une map qui a un peu plus de dégâts que l'autre. Alors toi t'as 130 points, toi t'en as 33, toi t'en as 119, d'accord. Bon, on va commencer par buter les deux champs en haut et l'arbre. Donc à la limite l'arbre on peut le récupérer. Hein. Ouais, j'avoue, on va peut-être le récupérer en fait l'arbre. Pour redécorer. Hein. Alors attendez, parce que là c'est cool, je vais le mettre là, mais... Vous savez quoi, je vais amener ça. Voilà, je vois qu'il y a une map cachée là, j'ai bien envie de la faire venir.
putain, mais c'est quoi cette map de merde? Y a pas d'ennemis, mais c'est quoi? J'ai l'impression que là ils mettent de moins en moins d'ennemis exprès pour m'obliger à aller faire du level up après. Enfin, moi en soi à ce niveau là je suis tranquille vu que j'ai déjà beaucoup d'avance, mais si j'arrive pas d'avance je serais dans une belle merde, hein, moi je vous le dis. Franchement je m'en fous, j'ai de l'avance. Non, attends, on va pas finir le tour comme ça. D'abord on va. Play Santo, là attaque. Dinner time! Exécute. Déjà là, ce sera une grande avancée des points de la map. Je vais avoir la moitié des points qu'il me faut. J'ai pas trop vu le nombre, mais je suppose qu'il m'en faut 700, hein, comme d'habitude. Faut pas changer. Et si je tue pas le chat, je sors le Giblix du véhicule et je vais le buter, hein, voilà, tout simplement. À moins que. Quoique là, remarque, faudra faire beaucoup de déplacements, donc je pense pas que quelqu'un puisse là. Ah si, Mocha! Mocha, oh là, j'ai fini le Mocha avec le hockey. Bref. Ça tombe bien, tu crains la glace. Spirit. Il manque quand même pas mal de points. Is that it? Oui, oui, c'est ça. Nickel. Ah, des points, toujours plus de points. Là, j'ai 376 points, c'est le nombre de points qu'il y a dans cette area, donc on va devoir aller vers la gauche. Quoi, tu m'en donnes 46, bah on va monter tranquille. On va y aller avec Nikilo, vu que Nikilo est pété comme je le dis souvent au niveau déplacement. Hop. Et on termine le tour. Je pense que là je vais laisser Nikilo y aller tout seul en haut, parce qu'ils ont un peu la flemme de ramener tout le monde. Et qu'il pourra très bien se défendre à lui seul. Oh, surtout si la meuf s'arrête devant lui, hein, c'est. La facilité, mes amis, la facilité. Ouais, voilà, du gâteau. Termine. Alors là, admettons que j'en sois à 500 points. Il me manque 200 points, enfin même 201 points en fait. Bon bah, oh là, moi je vais m'attaquer à la pierre et ce sera bon. Hein. Voilà, pierre, tu as été un mauvais maître Pokémon, donc tiens. Oui, blague pourri, je sais, mais bon. Que voulez-vous, j'ai envie de dire. Fais avec ce qu'on a, hein. Putain, il tapait pire que du 1, quoi, c'est triste. On termine, et on a gagné la map. Encore une fois, une map rapide. Mais bon, ça va, on a volé un arbre, donc c'est cool. On a volé un arbre, les mecs, c'est bon, ça va. Tout est ok. Je suis ok. Bon, du coup, encore une fois, les mêmes habitudes, hein, on les reprend. Hop, on guérit tout le monde. Ce coup-ci, par contre, je pense à aller voir le bricolo. Le bricolo, pour réparer les véhicules. Tant qu'à faire, on le remet bien droit parce que je suis très... Merde, comment on dit maniaque, voilà, à ce sujet-là. La droiteur des personnages. On va améliorer, voilà, mon véhicule plutôt. Et on est bon. On va faire une dernière sauvegarde. À moins que ça continue... 38 minutes de vidéo. C'est quoi, je vais lancer au moins la prochaine map, voir ce qu'il y a. S'il y a une démo, on s'arrête là. S'il n'y en a pas, on lance la map. Et si la map a l'air longue, on la fait pas. Mais si elle est rapide, on l'a fait, on s'arrête là après. C'est la dernière, là je vous promets, s'il n'y a pas de démo, évidemment. Ah, il y a une démo. Bon bah les gens, je suis désolé. Mais on va s'arrêter là, hein. Alors attendez par contre. Hein. Ah, apparemment c'est le dernier truc de... Oh là, vous voyez, on aura fait toute la map. J'ai limite envie de finir maintenant en fait. Ouais, mais non, on va avoir un boss, c'est pas juste la fin du chapitre. Fuck. Bon, bah, les gens, on s'arrête là. Donc, on va re-sauvegarder par. Parce que j'ai dit que ce serait la dernière sauvegarde, mais vous voyez. Ah, quoi, attendez, on va faire des achats. On va faire des achats là, je suis bon, ouais. J'ai failli acheter une épée sans le faire exprès là. J'ai appuyé le bouton, mais il était à la moitié, vous voyez. J'aurais poussé un chouïa plus. J'aurais acheté une arme sans le vouloir. Alors, attendez. Faut que je vois déjà niveau de Dazer. Rage, je sais que je l'ai dépassé. Je crois que j'ai Samurai Sword actuellement, je suis pas sûr. Nikilo, lui, je sais qu'il a le katana impérial. Ou alors le Warlord. Ah, j'avoue, je sais pas, là. Attendez. Hop. Je vais regarder pour Dazer au passage.
il a Samurai Sword comme je dis. Warlord Katana. Ah, à la limite, j'ai peut-être amélioré. Attendez, Roro, il a quoi? Barracuda. C'est vrai que Roro, je l'ai augmenté il y a pas longtemps son arme. Giblix, lui, il est bon, il a pas besoin d'amélioration. Gamma, il en a besoin, lui. Gamma, lui, il a vraiment besoin d'un bon truc, là. Et Mocha, si j'ai assez après. Même si Gamma, je l'utilise. Je commence à plus trop l'utiliser, mais bon, quand même, il peut toujours m'être utile. Même si, bon, voilà, comme il l'avait dit, son moment de gloire, là, c'est clair qu'il est passé. Oula, quoi que ton des Gamma, c'est... Il a quoi comme arme? On peut pas voir, là? Ah merde, on peut pas voir. Je l'ai déplacé. Statue Gamma, tu as un Vulcan Canon. Alors, le Vulcan Canon, je crois que c'est... Ouais, c'est la... Gamma, en fait, depuis le début, il a sa première arme. C'est pour ça qu'il est si pourri niveau dégâts, le pauvre. J'avoue qu'il mériterait quand même qu'on lui fasse un petit achat, là. Vous voyez, Vulcan Canon. Il y a 3 nouveaux canons depuis le pauvre. Allez, c'est bon, t'as gagné, Gamma, je t'achète un truc. Passage, on va voir pour Mocha. Fairy List. Hunter Bible. Est-ce qu'elle a mieux que la Bible de chasseur? Non, j'ai pas l'impression, mais bon, c'est pas grave. On attendra d'avoir un peu plus pour lui acheter un truc, alors attendez, Gamma. Ah. Allez, Gamma, tu l'as bien mérité, ça. Je dois admettre que, bon, depuis le temps, tiens, cadeau. Hop, et là, on est bon, vraiment. On va refaire, hop, un petit soin, parce que je suppose que... Voilà, maintenant, il a besoin de soin, vu que ses PV ont augmenté. On va re-sauvegarder. Putain, je reste regardé combien de fois pour la dernière fois. Bref. Écoutez, les gens, là, on a bien avancé. Et puis c'est tout, je commence à... Là vous voyez, ça sent que j'arrive à la fin du Wokufu parce que je commence à même plus savoir à dire. Les blagues se répètent, les discours aussi, les maps aussi au passage. Bref, donc les gens, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine pour la suite de Makai Kingdom et bientôt la fin. Là ça se ressent quand même, bientôt la fin malheureusement. Même si là je sens bien qu'ils nous fassent des... Qui nous fasse des petites maps bonus exprès pour rallonger la durée. Mais genre contre là, le coup avec contre Alexander, c'est n'importe quoi ça. Oh là, je veux te tuer avant que la malédiction me tue. Putain, mais c'est bon, t'as fumé toi. Bref. Donc ciao les gens. Oui, je finis à l'arrache, mais parce que sinon je vais pas y arriver. Salut les mondes.